La Bible de notre communauté chrétienne. Dimanche prochain, c'est le sixième mois du décès de notre ex-présidente des femmes, Madame Pogané-Monique, rappelée à Dieu, qui a six fois de cela. Donc dimanche prochain, nous allons célébrer le sixième mois ici. Ici même à la messe de 9h. À cet effet, il est demandé à toutes les femmes paroissiennes d'être là dès 8h30 pour un chapelet, pour une chapelet en son honneur. Donc à 8h30, chapelet et 9h, la messe. J'espère que l'information est bien passée. Après, vous relayez l'information pour celles qui n'ont pas entendu. Donc, dimanche prochain, à 9h, dimanche 21 février à 9h, messe à 9h, à l'intention de Monique Bougandé, 8h30 Chabélé. En raison du Covid, la journée des dons à la petite côte, chaque année, les femmes catholiques de la diocèse de Dakar font des dons à la petite côte qui est à l'intérieur de la grappe aux populations de l'île. Alors elles font des collectes, et puis voilà, elles se déplacent ensemble pour aller vers le don. Cette année, il n'y a pas de déplacement ensemble. On demande tout simplement aux femmes de faire venir les dons ici même, dans chaque paroisse, pour déposer vos dons. Il est bon de déposer les dons en arrière à côté. Vous voyez, aujourd'hui encore, il y a des gens qui viennent me demander. Au commencement, quand on avait commencé le confinement, le premier confinement, on avait reçu des dons, des sacs de riz, on avait distribué aux gens. Les gens me demandent, mon père, il n'y a plus de riz. La situation est difficile. La situation est très difficile. Alors je vous invite, ceux qui voudraient, ces jeunes aux femmes, en général, les essais de Dakar, vous pouvez déposer vos dons ici même, à partir de ce jour. Dès le mercredi décembre, vous allez déposer devant l'église des paniers. Mais déjà, vous pouvez commencer aujourd'hui à déposer vos dons. En huile. Pas d'alimentaire, tout ce qui est vendu, conserve, tout cela, oignons, les oignons, ça, oignons, tout cela, pour qu'on puisse après acheminer ça à la centrale pour la distribution aux femmes. Il y a un petit comité restreint qui a donné cela, ils vont cibler les femmes, les familles, pardon, les familles à qui elles vont remettre les dons. Alors, nous vous invitons à être généreux. Soyez généreux et généreux. C'est vrai que ce sont les femmes qui vont passer dans la rénovation, mais les hommes aussi. Là où il y a la femme, il y a l'homme. Donc, c'est ensemble. Il ne faut pas dire après la femme. C'est ça, c'est mon problème. Il faut s'aider. Vous soutenez les familles en détresse. Alors, je vous invite à répondre avant la femme. Le mercredi décembre, vous aurez le panier. Le jeudi aussi, le panier sera là. Le vendredi saint. Le vendredi. Je vais le voir, le palier sera là. Et le dimanche, on boucle. Le dimanche 21, on boucle parce que ça va aller très vite. Il faut que ça vienne vite. Alors nous vous invitons à être sensibles. Une autre information, c'est concernant la vie de notre communauté même, ici sur place, avec le mercredi décembre. Alors mercredi prochain, le 17 février, c'est le mercredi décembre, messe à 6h30, ici même, à Don Bosco. 9h30, messe à Cuissois. À 9h30, messe à Cuissois, à l'école Cuissois. Avec les enfants et avec les parents, chaque année les parents des paroissiens. C'est mieux d'aller. Et puis à 13h à Don Bosco. 13h encore ici à Don Bosco. Et le soir à 18h, messe et imposition des cendres aussi à Don Bosco. Maintenant, celui qui ne va pas recevoir les cendres, ce n'est pas la peine de le venir. Parce qu'on ne sait pas, on n'a même pas encore la formule. On ne sait même pas encore quelle formule utiliser. Si on doit vous toucher, on doit vous toucher. On ne sait pas encore quelle formule. Le deuxième année vient encore. On est à l'écoute. Alors, mieux vaut ne pas rater et puis revenir le lendemain pour dire, mon père, je veux qu'on dépose la cendre. Il y a des paroisses qui ont 8 célébrations. Il y a d'autres qui en ont 10. Dans tout le plateau de Dakar. Donc là où vous trouvez et que vous connaissez les horaires, regardez un peu, demandez. Pour ne pas rater, allez-y. Il y aura sûrement des messes à 10h, à 11h, à 13h, à 16h, quelque part là-bas. Vous pouvez toujours vous profiter. C'est mieux de le faire. Pour ne pas que, voilà, on est très forcé à cause de la situation du Covid. On pourra aussi retransmettre, pour ceux qui sont, qui seront pour moi, mais ils peuvent être dans la centre. Les gens, c'est peut-être des personnes âgées, on verra comment transmettre la centre par leur famille, par leurs parents. Ok? Voilà. Si tu le veux, tu peux le purifier, je le veux, soit purifié. Nous avons ici le jour, la bonne nouvelle du jour. Vous avez le curé nous parle. Vous avez aussi le pape qui nous parle encore. Le pape François à sa catéchèse dit on peut prier dans la rue. Dans les bureaux, dans les moyens de transport. Il faut prier à tout moment. Parce qu'il y a des gens qui disent, quelle est cette histoire de prier au bureau?
Donc, plus au bureau, avant de commencer à travailler, tu peux prier dans ton bureau. Tu t'enfermes et tu pries. Tu confies ta journée au Seigneur, tu peux prier dans la rue. Tu fais ton chapelet. Il y a des gens qui marchent pour faire le chapelet dans la rue. Ce n'est pas interdit. Dans le bus, tu peux prier. Dans le bus, tu pries. Partout, voilà, on prie, on prie. Ce n'est pas interdit de prier. Oui, il y a des gens, voilà. Donc, il faut prier. Il y a des chrétiens ici qui sont très complexes, ils sont morts. C'est-à-dire, même pour faire signe de croix, même dans la rue. Même pour faire le signe de croix, ils se cachent. Même pour porter la croix. Hein, ils se cachent. En Philippines, à l'occasion de la diversité du peuple féminin, ils ont un gilet en Philippines. Ils ont demandé à tous les chrétiens de la Philippine de porter une croix. De porter une croix, au moins une croix. Et les gens qui n'ont jamais mis une croix, hein, jamais, depuis son nez, je vais porter la croix. Que Dieu vous garde, moi, je vais vous garde.